tout le monde, c'est Abel de Gio, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock. Et dans cet épisode, comme vous avez pu lire le titre, nous allons faire la réintégration de WixiWix. Et oui, WixiWix faisait partie des premiers membres à ouvrir le serveur avec moi, Wotan, Crawl, Apo, Arion et... je crois que j'en oublie un, Shadows, voilà, pardon. Et moi-même, du coup. Et il se trouve que pendant un moment, il en avait marre de jouer à Minecraft. Alors du coup, il est parti. Et c'est moi qui lui ai dit, bah voilà, si tu veux plus venir, je préfère faire de la place pour d'autres. Il se trouve que bah je lui ai reproposé comme ça l'autre jour. Et il a dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. Donc la seule chose qu'il va falloir noter, et je pense qu'on va le répéter quand on va faire sa réintégration, c'est qu'il ne fera pas de vidéo. Il n'en fera plus de vidéos sur Ragnablock, mais par contre, il sera sûrement présent lorsqu'il y aura de grosses choses à faire. On fera sûrement des parties en multi avec plusieurs personnes. Donc ça là-dessus, il sera toujours présent avec les autres. Il n'y a aucun problème, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus non plus. Je n'ai toujours pas retiré ça d'ailleurs. Mais voilà, il ne fera plus de vidéos parce que sa chaîne est consacrée seulement et uniquement à la musique maintenant. Donc c'est d'ailleurs lui-même qui a créé la musique d'intro de Ragnablock, il faut le souligner. Donc pour ce cher WixiWix, nous allons lui faire un petit stuff sympathique parce que... what? Ah oui, c'est parce que j'avais déjà des underpearls sur moi, j'ai eu peur. ouais, WixiWix, du coup, quand il va revenir, il aura plus rien parce que vu qu'on a changé de serveur, j'ai changé tous les trucs et bah j'ai pas repris les données des personnes qui venaient plus, qui ne faisaient plus partie du serveur. Donc WixiWix n'en faisait plus partie il y a déjà un moment. Donc quand il va se reconnecter, il aura plus aucune statistique, plus aucun item, plus rien dans l'under chest. Donc je lui ai préparé un petit stuff. Donc la pioche fortune 3 pour qu'il se fasse plaisir, une épée avec butin 3 aussi pour qu'il se fasse plaisir, une pelle fortune 3, mais bon ça c'est pas terrible, hein. J'ai pas de silk touch actuellement donc tant pis, et une hache avec un petit set armure, un under chest, je lui ai donné 3 blocs de diamants s'il veut pouvoir réparer les items ou se recrafter d'autres choses. Elles sont bruyantes les vaches, waouh. Et du coup bah en parlant de vaches, je crois que en bas j'en avais laissé, enfin en parlant de vaches, rien à voir avec les vaches mais bon. Ah pas sûr, je crois que j'avais déplacé tous les coffres déjà. Ouais, j'avais déplacé tous les coffres. Je voulais lui prendre un stack de carottes dorées pour monsieur, pour qu'il puisse manger. J'en ai un sur moi, mais c'est de ma consommation personnelle. Je vais lui prendre un stack. Et ensuite, on va se retrouver au spawn nordique pour préparer son intégration. Donc on va pas passer l'entièreté de l'épisode à faire son intégration parce que j'ai déjà eu plusieurs remarques comme quoi ce genre d'épisode était chiant. C'est vrai que c'est à la facilité, hein, je vais pas vous mentir, c'est à la facilité, hein, donc voilà. Mais là aujourd'hui on va essayer de faire un truc spécial pour WixiWix vu que c'est sa réintégration. Donc un petit stack, des outils, je réfléchis mais je pense que c'est tout ce qu'il aura besoin à mon avis parce que il a déjà tout son stuff dans sa base, mais sa base se peut qu'elle se peut que ça, enfin je vais ravaler ma langue et je vais la ressortir. Il se peut que sa base ait été pillée vu que j'avais dit à tout le monde, bah, pour les personnes qui ne font plus partie du serveur et qui ne viendront plus, vous pouvez aller vous servir dans leur base. Il n'y a aucun problème là dessus sauf que bah, je m'attendais pas à ce que WixiWix revienne, même si c'est moi qui allais le voir. Dans ma tête, j'allais pas le revoir pour lui reproposer en fait. Et il se trouve que bah, vu que je cherche encore du monde, mais du monde compétent, motivé et tout ça, c'est pas évident de trouver ce genre de personnes. Bah, je suis allé voir WixiWix et je lui ai proposé comme ça. Il est venu me voir en me disant bonne fête, je lui ai dit bonne fête aussi en retour et je lui ai demandé si ça l'intéressait de revenir. Ça l'a intéressé. Donc voilà. Et sinon, pour ce qui est des prochains. Ouh, il y a du monde là. Tant pis, on va y aller en courant. Hein. Pour ce qui est des prochains nouveaux membres sur le serveur, j'ai eu la réponse de 2 personnes. Donc deux personnes vont venir jouer, elles vont sûrement venir jouer ensemble, elles vont faire une série ensemble, c'est même sûr et certain. Et il y a aussi sûrement 2 autres personnes, bah, je vais pas vous en dire plus, je vais pas spoiler rien du tout, hein, mais voilà. Il y aura encore une fois des nouvelles têtes qui vont venir sur le serveur, et malheureusement il va y en avoir quelques-unes qui vont sauter. Hein. Ça pour le coup, s'il y en a qui vont sauter, vous serez tenu au courant pour l'épisode de dimanche, voire même dans l'épisode bonus de dimanche, pas dans cet épisode bonus là parce que c'est pas encore joué. Voilà, je dis pas plus, enfin j'en dis pas plus, vous verrez tout ça au moment voulu. Bref,
On est bientôt arrivé au spawn nordique. Je vais faire mes petites affaires là-bas. Alors attends. Ah bah voilà. Nope. Ben voilà, justement, je vais lui parler de toute façon. Donc, je fais ce que j'ai à faire et puis on se retrouve. Voilà, tout simplement. Bon, j'avais dit à tout le monde qu'on se retrouverait au spawn nordique pour faire la chose à Wixivix. Je l'ai faite. Sauf que là, on a décidé de foutre un peu le sbeul, mais gentiment, hein, gentiment, histoire de montrer que bah, la nature a repris ses droits. C'est une idée de cacaorhomme. Je décline toute responsabilité si Wixivix pète un câble. Ah, le mec, d'entrée, comment il assume pas, sans déconner. Si, 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 j'assume, j'assume. On va mettre un peu de bazar, ça va être marrant. Donc en fin de compte, le but, ça va être de faire croire que sa pyramide est reprise, enfin que ça a été repris quoi, par Ouais, la c'est nature. ça, je sais pas, faire des petites constructions cassées, puis des plantes, un peu de végétation tout autour qui traversent la pyramide et tout pour. Voilà, comme t'as dit, la nature a repris ses droits. C'est Non, ça. pas ses doigts. Non, pas ses doigts, non. Comment t'as Quoi? volé? Non, à Ombriste. Mais Ombriste, il est pas venu. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, Ombriste? Ah putain. Il est pas venu sur le channel. C'est un sans déconner. Pauvre garçon. Bah, Bref. je sais pas pourquoi t'es pas resté dans le channel. Ah ouais, non, c'est ouais, au cas où il y en a d'autres qui rentrent. Bah oui, eh oui, eh oui, eh oui. Quoi qu'il en soit, on a pu avoir Wix et Wix tout à l'heure sur le Mumble. Donc tout se passe bien, ça marche bien chez lui. Alors là, je vais faire pousser un arbre au milieu. Si ça marche. Voilà, me Ça voilà. peut... Ah bah Ah bah voilà. voilà. Moi, je sais pas moi. Oh, le mec fait sa petite timorée, c'est. Ok, ça veut pas pousser, dommage. Je mettrai pas un grand arbre ici. Ah, si c'est pour renifler tes morves, hein, c'est pas la peine de venir. Hein. Ah putain. Mesdames et messieurs, ombriste. Voilà, Va te ombriste quoi. moucher. Dans toute sa splendeur classe. Oh, sale. Sale. Bon, tu nous aides? À quoi? Il faut qu'on mette des lianes et de la végétation un peu partout Voilà. pour montrer que la nature a repris ses droits sur le Ah biome à non, pas de Wix-Wix. soucis. Est-ce qu'il y a du bonne nouvelle? Alors attends, je vais faire des petites ruines, on va essayer de mettre les végétations autour des ruines. Ça fera plus Ouais. ouais, nickel. Ça fera plus crédible. C'est ça. Juste enlever celui-là et celui-là. Faut ouvrir avant le 25. Joyeux Noël. Ça Il doit. date d'il y a un an. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as pas pris les mêmes couleurs, j'ai dit. Non, ça date d'il y a un an, ça. Ah ouais, c'est vieux. C'est très vieux. Hop. Du coup, ici, il y a quand même pas mal de végétation qu'on poussait, hein. Ah bah écoute, la nature elle est comme ça, hein. C'est vrai. Ok, donc ça, c'est ton petit, tes petites ruines. Ouais, voilà, je fais un petit truc carré comme ça et tu casses au pif. Voilà, t'as tout compris. Je vais mettre des trucs craquelés aussi, Ah, bien vu, ouais. avec un peu de Y a quelqu'un mousse. qui a de la bonne moelle? Bah y a... J'en ai pas beaucoup, par contre, j'en ai peut-être pas pris assez. J'aurais dû aller en chercher en fait, chez moi. Il y a une usine à squelettes dans le coin, hein. Sinon. Pas trouvé. Alors oui, elle est tout là-bas. Tu vois la grande tour avec de l'eau au milieu. Ombris, regarde là-bas. Tu le vois? C'est là-bas. Ok. Ah, va loin, loin de nous. Ah, Par. casse-toi, dégage! C'est con qu'il n'y a Par, pas va le. chercher Tu veux bonheur. pas qu'on rajoute le truc Mumble le plugin Mumble en même temps, ML? Oh, il y a des petits lags. Ouais, petit lag. Le plugin Ouais. Mumble, bah, je sais pas comment l'installer ça. Si tu me montres, on pourra essayer de le mettre. Ça peut Tu être sais que marrant. quoi? Un plugin où plus on s'éloigne et plus la voix elle s'éloigne en fin de compte. Ah, là t'es loin de nous, tu pourrais plus nous parler, on t'entendrait plus, tu Ah ouais, comme tous les jeux de survie à la con, enfin. Comment il parle mal! Oh, ça parle Là. mal! Oh, hein, bon, hein, moi je. Voilà, ok? Ouais, Bon. si tu veux. Le mec a pas d'argument, tu sais. Bon, je vais plus. Faut que je presse. Faut que je prenne de la terre. Parce que là, je mets Comment elle toute la marche pelouse son et après, usine? ça va pas le faire. Voilà. Je mets un peu de pelouse, moi. Faudra juste que tu mettes de la terre après. Ouais, ça fait sympa. Hop.
que ça pousse. J'aime bien faire des petits sols éclatés comme ça. Ouais, c'est sympa ça. Hop. Alors, j'ai des pousses. Ok, on va falloir farmer un peu de pousses. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de pousses d'arbres de la jungle. Je vais voir s'il y en a chez lui. Oh, sympa. Il y a un arbre qui a carrément poussé à l'intérieur de la ruine, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des pousses d'arbres dans le coin? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé son stuff. Je sais même pas s'il y a des... Il y a rien au niveau bois là-dedans. Ah si, il y a du bois là-bas. Acajou, non. Là. Putain, t'as plein de bois d'acajou, mais t'as pas de pousses. Fuck. Non, y a pas, monsieur. Tiens, tant pis. Tant pis, on va faire avec, hein. De toute façon, au pire, quand tu regardes, quand il sort de son portail du Nether, il va tout de suite voir les arbres qu'on poussait, hein. Ouais, bah je pensais mettre là devant, moi. Juste là devant, hein. Ouais, bah ça suffit, hein. Ouais. C'est ça de tout faire, sinon venir fou. Oh, c'est clair. Hop. On va faire une petite construction ici. Ouais, vas-y. Non, pas la torche. C'est quoi, je vais me faire un... Attends, j'en aurais pas posé là-bas. Ah, j'en ai encore 11 ici, des arbres de la jungle. Je vais en faire pousser un, je vais le farmer. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais pas en faire un gros, j'ai pas besoin de bois, j'ai besoin de pousse. Besoin de pousse, de pousse, de pousse. Putain, tu nous avais pas manqué. T'as trouvé c'est l'usine à... Ouais, j'ai quelques petits trucs. T'as récupéré des os? Du bois de mille. Des os? Non, j'ai pris que du bonne mille. J'ai rien fait du bonne mille. Des os? Ça veut dire des gars, je veux que des os. Même c'est ça, hein. Ah. Bah ouais, les plantes, tu leur tapes dessus avec un os. Bien oui. Il faut lui apprendre à jouer. Mais non, mais moi, il me fallait du bonne mille. Il me fallait du bonne mille pour faire de la clé blanche. Il est où, Flo? Il est sur la pyramide. Ah, d'accord, le mec. Il peut pas rejoindre, là c'est le chantier chez lui cet après-midi avec les gosses et tout, laisse tomber, c'est même pas la peine. Tac tac. Tiens. Ah ça y est, ça fight. Ah bah voilà. Dégage. Casse-toi. Tom le cherche après, il dit dégage. je vais le crever s'il veut essayer de me buter, c'est mort. Oh putain, je suis bloqué. Ah bah oui, je suis bloqué okay. Dans les ruines. Oh, je suis tombé dans un trou. Ah mais ça brûle. Coucou. Coucou. Oh les salauds. Bonjour, vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? J'ai tiré une underpearl, je m'en fous. Vas-y, tire. Mais c'est bon. Je suis dehors depuis longtemps, mon petit gars. Ah merde. Ah bah ouais. Ouais, mais je suis de temps en ce moment. Bah oui. Je sais que t'es de temps. Ah bah oui. Hé, hey, doucement. Je rends les armes. Mais bon, il a compris. Quoi, faible? J'ai pas envie de me battre, c'est tout. Pas une question d'être faible ou quoi? Je crois qu'il a compris ce qu'on essayait de faire ici, non? Ouais, je pense. Mais là, il est en mode papillonnage, je pense. Là. Là, je vais... Ah, une pousse. Ouais, super, j'ai récupéré ma pousse que j'ai de mon arbre. Sympa. Les arbres dans la jungle, c'est galère à fermer les pousses aussi. Ça, ça ouais. Faut de toute façon, faut faire comme j'ai fait avec le Darkwood, parce que le Darkwood aussi, c'est super chiant à farmer. Hein. Ouais. Alors, on peut récupérer des trucs chez lui ou pas? Nope. Oh, qui troll. Ah non, forcément, vu qu'il revient. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, le Darkwood, c'est chiant aussi, parce que moi, il a fallu que j'aille directement dans un biome Darkwood, justement, pour récupérer masse de... Enfin, j'ai descendu plein d'arbres pour récupérer masse de pousses. Et encore, j'ai récupéré un petit peu plus de... Un petit peu plus d'un stack, mais c'est tout, quoi. Ah ouais, quand même. Putain, c'est vrai que c'est galère. Ouais, ouais, pousse en plus. Et con, j'ai pas pris ma hache que j'ai eue à Noël. C'est bête. Ouais. Ton Mjolnir.
Le truc que t'as pas réussi à prononcer. Le Mjolnir. Le Mjolnir. Mjolnir. Mais je te fuck. Oh, un arbre géant, cool. Un Ça, c'est arbre bien géant. ça. Ouais, un chêne géant. Ah oui, tu l'as. Oh, pas mal, ouais. Sympa, sympa. Hop, on va en mettre un ici. Ouais, tu vois, ça fait une petite ambiance, c'est sympa. Ouais, tout de suite, ouais. De bourrer des arbres, ça sert à rien, mais là, avec les petites constructions comme ça, c'est pas mal. Alors attends, on va faire un plancher avec plus de terre par terre. Plus de terre par terre. Bon, ça va, 5 pouces en un arbre. Tac, tac. Pardon. C'est très phallique ce que je viens de faire. Je vais retirer ça. Ah bah, tout ce qui est phallique, toi tu aimes de toute façon. Mais non, mais je savais pas que ça allait faire phallique, alors bon, voilà. Non mais ML2G est phallique. C'est un phallique en lui-même, tu vois. Il représente le Phallique. phallique. Dis tout de suite que j'ai une tête de gland. Bah maintenant que t'en parles. Non, mais J'aurais voyons. pas passé au gland, moi j'aurais pensé au sexe opposé. Ah, une tête de vagin. Mais à Pourquoi? retourner, tu sais, à l'envers. Ah! Avec l'iroquoise à l'envers vers le haut. On n'a jamais vu ça, d'ailleurs, comme mode arrivé, ça. C'est jamais arrivé, ça. Une iroquoise à l'envers. Au lieu que tu as la pointe vers le bas, bah, tu fais la pointe vers le haut. Oh putain. Peut être une mode. Et l'autre, il fout de la terre partout, quoi. Ouais, il fout sa merde. Putain, sérieux. Sérieux. Et qu'est-ce que tu fais avec les chevaux, toi? Laisse-le à sa place. Là, sa place. C'est Fluffy numéro 2. Sans déconner, il fout de la terre partout, le mec, quoi. Ouais, je passe derrière, je suis en train de l'enlever. Bah Ah, ouais. Mais hey, je t'ai vu en brise, hein. Gamin. Hop, on va faire une petite ruine à côté du cheveu. de Fluffy. Oh, ouais, de Fluffy, ouais. Il s'appelle pas Fluffy. Hop. Un peu de pelouse, on va mettre de la pelouse. Un truc totalement random. Enfin, je suis full inventaire, mais comment je fais pour être full inventaire? Oups, ça je voulais pas le prendre. Ah, ok. Pas ça que je voulais faire. J'ai cassé une liane. Là, Ombrist, merci. Merci, merci. De rien, de rien, de rien. Je vais remettre un peu d'herbe dans le sol. Hop, ouais, que ça pousse un peu. Ah, ou pardon, le. Dégage! Et... Je l'ai tapé. Un... Clac. Clac. Et. Ouais, ici. Hop. Et je vais prendre des feuilles. Et puis... Prendre un peu d'herbe aussi. Faire pousser de l'herbe un peu partout. Et des fûles de chêne. Ah là là. Ah bon, ça, il y en a partout. Ah Voilà. ouais, mais c'est le son sable qui me met. Voilà. Poule de sable, j'avais pas capté. De quoi? Bah, je suis tout le full inventaire, je récupère rien. Bah ouais, je récupère tout le sable, forcément. Vu qu'on creuse depuis tout à l'heure. Ah bah oui. Bah oui. Tac. Ah, Ouah. c'est sympa comme ça. Ouais, carrément, je pense que ça devrait le faire. Ouais. On va le laisser tel quel, ça fera bien l'affaire. Bon, ça monte un peu d'arbres au milieu quand même. Ouais, faudrait mettre de la bonne mule quand il y aura de l'herbe. Je mets un peu de hautes herbes pour l'instant, mais. Un peu d'eau aussi, il faudrait mettre. De l'eau dans un Ouais. désert. Ouais. Une petite oasis à côté d'une petite ruine, ça peut être pas mal. Genre bah ici, attends. Parce qu'il peut y avoir de l'eau dans un désert. Hein. Voilà, j'ai mis de l'eau. L'eau dans un désert. Toi, il y a de l'eau là. Ça pue.
Mais ah, pourquoi tu casses mon... Ah. T'es tout nu, hein. Ah oui, non, là il c'est manque faux. un... Ah là. C'est bien tout ça. Voilà. J'ai pris des nénés phares. Ah oui. C'est bien, on avait une source d'eau infinie juste à côté. Ah, c'est moi qui l'ai faite tout à l'heure. Ah, c'est toi qui l'as faite, ok. Ouais. Super. Je suis au cas où. Bah voilà. Bon bah, je vais voir ce que ça donne de loin. Mais Voilà. dès qu'il va revenir sur son biome, boum! Oh, c'est quoi tous ces arbres? On dirait une c'est forêt, le bordel. On va lui mettre un petit panneau d'accueil. Ouais. Ouais, bah oui! Je sais pas si on ira en même temps que lui sur son biome ou s'il ira tout seul après. Je sais pas. Ça dépendra du feeling de la soirée, je pense. Ouais, on verra. Ok. Bon, bah de toute façon, moi je vais... Je vais laisser mes chers spectateurs là-dessus. On se retrouve juste après. Enfin, on se retrouve tout de suite. Hein, donc, avec la réintégration de Wixi Wix. Donc, à tout de suite. Est-ce que tout le monde Wixi Wix, Wix. Oh, oui. Alors, ouais. Non, on va pas rechanter parce que ça, à tous les coups, ça va refoirer encore. Wixi Wix, Wixi Wix, Wixi Wix, Wixi Wix, Wixi Wix. Regardez-moi ces gars. Wixi Wix. En plus, il neige. Il est pas là. Putain, bonjour, regardez l'homme. Regardez l'homme là. Comment c'est pas le buter. On a dit on ne tue pas les nouveaux. On a dit on ne tue pas les nouveaux. Oui, mais il est pas nouveau. Oh le bâtard. Si je meurs, vous allez voir. Non, t'as de la chance, Albi. Bah alors Wix, je t'invite à te rendre ici. Oui, oui. Donc là où je me tiens. Non mais là où je me tiens. Sinon t'auras pas ton stuff. Décale-toi encore un peu. Encore un peu, voilà, tu bouges pas, d'accord? Tu bouges pas. Avec ta flèche dans la tête. Il y a une enclume qui va lui tomber. Ah, quelle bande de salopes. Ça y est, ça m'avait pas manqué, ça. Voilà, donc du coup, tu te retrouves dans un labyrinthe et tu dois chercher avec ton une stuff. Kiffe, c'est encore pire. C'est encore pire. Oh. Sors, Wixi Wix, sors vite. Alors, prends la clé, sors vite. Chope la clé. Et on le voit d'où, nous? Option graphique. Ah, nous, on peut le voir, non? Non, nous, on peut pas le voir. Hein. Faut juste tendre l'oreille. Naked, par rapport. Chut. Écoute. Ah ouais, voilà, c'est mieux. Même pas une attente. Je suis passe-partout de Fort Boyard, je dis de les casse-cou. Putain. T'as la clé? Non, bah tu retournes dedans. GG. GG. Là, c'est le GG. Et voilà, alors il y a quoi? Ah, c'est beau, je l'ai même pas vu passer. Dit-il le mec qui dégaine le plus vite que son nom. Ouais, mais là, je suis occupé. Tu casses pas les murs, t'as une porte à côté. Tu cherches la porte pour sortir? Putain, et l'autre il tire des flèches, quoi. Bon à rien, bon à rien, attardé. Bon à rien, mauvais en tout. Voilà, ça y est. T'as la clé? C'est qui m'a mis une flèche enflammée là, que je vais mettre un petit coup d'épée là? C'est Ombrist. Hein? Ah ouais? Quoi? Qui c'est qui a pété le verre? Même pas d'arc! C'est moi qui l'ai cassé sans faire gaffe! Oh, ça pourra mieux, je te jure. Désolé! Les vieux. Oh oui! Désolé. Oh oui! Oh oui! Oh oui! La fessée! Tu viens de perdre 3 coeurs d'un coup, ça a fait mal. Tu m'étonnes. Seulement 3 coeurs, ça va? Je la remettrai. milieu. Ah ouais, full jam, c'est tout déjà. Wow. Attends, tu crois quoi? Ça déconne pas, hein? Le VIP. Bon bah, du coup, comme tous les nouveaux, on va se retrouver au centre. Ça va être que d'un temps, quoi, toute façon. Oui. Mais bon, Wixi Wix, c'est pas un nouveau. Donc, du coup. Bah, elle est où ma bannière? Donc, du coup, ta bannière, justement, elle est pas là. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Alors, Wixi Wix. Je vais te demander quand même de te présenter parce que depuis le temps que t'es parti, il y a eu des nouveaux sur la chaîne de tout le monde. Puis sur la chaîne de certains, on te connaît pas. Donc du coup, tu vas te présenter rapidement et puis on passera à la suite après. Ok, alors Wix, ou Wax and Wix, ou Wix and Wax, Wixi Wix.
ou tout ce que vous voulez. Du moment que c'est Wix et Wax. Enfin, il y a beaucoup de W, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais il faut, c'est mieux. J'ai le même âge que le patron, pour pas citer. Donc t'es vieux. Plus vieux que toi, sûrement. Oh, GG. À la base, je suis plus musicien que autre chose. Même si pendant une période, je sortais des vidéos de ce magnifique serveur. Et puis voilà quoi. N'en fais pas trop, t'as déjà ton armure. Donc du coup, sur ta chaîne, on ne retrouvera pas de vidéos de Ragnablock. Malheureusement. On retrouvera seulement tes musiques. C'est ça. Et c'est quoi ce que t'as dans la main? Je vous invite à aller voir et tout. Bonder, c'est quoi? Ben, t'as fait, c'est pas mon. C'est pas le mien. Ah, ok. C'était triste. Il se ressemble. Tu peux remettre le tien. Et ouais, donc du coup, si vous voulez voir ce que fait Wix, ce sera dans les vidéos de chacun. Quand on voudra aller le voir, et puis Wix viendra jouer avec nous de temps en temps. Oui. Donc voilà. Et sinon, ta bannière, tu peux venir la chercher, elle est par là-bas. Tu vas pouvoir. Je vais voir. On va voir la cachette des barres. Ah, la queue, ah, voilà. La queue, elle servait de pagne aux joyeux nudistes. Tout le monde s'éclate. Ah, du coup, tu peux la récupérer et la remettre à sa place. Voilà. Cool. Du coup, je vais retirer. On peut même tourner. Vous êtes où? Ça, c'est la salle des RIP, c'est ça? Ouais, c'est la salle des personnes qui ont quitté le serveur. J'adore la bannière d'Arion. Elle est blanche. Ouais. Ah oui, c'était la bannière de Red de Fonzie, ouais. Tu t'es gouré avec la bannière de Fonzie. Il se ressemble, hein. C'est vrai. T'as le mec, quoi. Pire que Fred Lawless, quoi. Dissident à mort. Attends. La douce dissident. Il y a une place là. Je regarde. Voilà. Je l'ai déjà vu dans le Nether, ce truc-là. Au milieu, je trouvais ça mieux, en fait. Ouais. Bon, du coup, on va faire un tour sur ton biome. Ouais. On lui fait même pas visiter le spawn. Ah non, il a déjà vu. Ouais, je connais. Il visitera. GG. Il visitera. Il a le temps. Après, c'est sûr que tu verras, il y a eu beaucoup de changements au spawn nordique. Et il y a beaucoup de nouvelles constructions, forcément, parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles personnes. Ouais, bah, normal. Ne cherche pas les maisons de Mr. Pixel et de Werks, hein, elles sont inexistantes. On a les terrains de construction de Werks, mais c'est tout. Ouais. Enfin, il construit en bloc invisible, en fait. Ouais, en bloc de barrière, quoi. Je crois que là, il est au cinquième étage de sa maison et il compte en atout. Donc, il est à sixième dans l'atout. C'est spam, ouais, c'est juste sale. Hashtag le clavier est malade. Oh, je vais être deuxième. Là là. Oh, je vais être deuxième. Alors, c'est la puissance des steaks. Hey. On double tous ceux qui ont des carottes en or. Ouais, c'est ça. Les steaks, on est minables. Hein. Sincèrement, les gars, changez de bouffe. Hein. C'était ouais. La. Est-ce qu'il y a... Non, c'est la puissance du poulet. C'est pire. Ouais, on l'a tous eu, cette puissance-là. C'est la micro-puissance. C'est qui est premier, là? Bah, t'es parti le premier. Bah, ouais. Je sais pas, je marche. Tu nous as devancé. Bah, bien sûr. Wix. Moi, j'ai des carottes en or. Je suis dans le couloir. Je suis dans le couloir de Wix. Tous en même temps. Oui, bah, il fallait me suivre. On essaye. C'est qui le malade? Écoutez-moi, c'est clavier. C'est Redskin. Ça, c'est Aubry, ça. Le mec, il va acheter son écran après, tu sais. N'empêche, ça peut être une bonne course, hein. Faire un circuit en glace. Et faire une course. Oh merde. Oh ouais. Mais le mec il se met ses propres pieds, tu sais. Non, je ralentis les autres en fait. Mais c'est Fred Lawless le deuxième et c'est Cacao le troisième. Oh. Ah. Juste derrière, suivi de près, nous avons Bonders. Ouais. Putain, les claviers quoi. C'est spam. Oh là là, UG Blade. Ambrose qui arrive avec un clavier en cabot. J'ai plus de bouffe. Ah oui, au fait, attends, comment il s'appelle? Voilà. C'est ouais, tu le. Non, FDP. C'est pas tu le Zada. FDP. Non. FDP. Ah, vous êtes des bonnes lasagnes. Bougez les gens. Désolé pour cet interlude violent. Pousse le dessus. ML, ouais, FDP, ML, c'est Fred Port. Oui. S'il te plaît, ML, donne-moi des carottes. Je vais mourir. T'es où, Clay Blade? Oh merci. Oh ça lag hein. Oh ouais. Ça lag. Ouais c'est bizarre. Merci. Comment ça va? Non moi je lag pas. Ah oui alors ça par contre ça y était pas ça.
Oui, bah oui, t'es parti longtemps, donc du coup la nature a repris ses forces. Ah ouais, d'accord, c'est ça, dans un désert quoi. Viens par ici, viens par ici. Je suis là, t'as un message. C'est pas moi, hein, c'est pas moi, hein. Elle dit que la nature est indomptable, venant faire une visite de curiosité, m'a donné une nouvelle fois la chance d'en admirer. Force. Oui, voilà. Attends. C'est bien, moi qui comptais tout raser, ça va aller vite. Tu pourras mettre le feu avant que. Il y a déjà un arbre qui est couché ici, là, tu vois. Ah oui, j'avais même pas vu. Oh, c'est sympa le dropper et le dispenseur géant, j'avais jamais vu. Bienvenue chez toi. Ouais, ouais, bienvenue chez toi. Hein. Ouais, re-bienvenue. Et donc, du coup, t'as dit que tu voulais tout raser. Est-ce que tu sais ce que tu feras ou quoi? J'ai quelques idées à réfléchir, mais ça va rester, je pense. Tu vas prendre un temps fou à te raser. Secret, secret. On viendra de temps en temps alors. Tu vas raser les pyramides? C'est bon. Tu vas raser la pyramide? Je vais tout raser, sauf peut-être la petite pyramide au milieu, pour l'instant. Ah mais refais un biome, tu prendras moins de temps. Hein. C'est ce que je lui ai dit aussi. Bah non, parce que sinon après j'aurai deux biomes et tout. Bah c'est pas grave. Bah, non, alors... puis là, je vais garder les usines, tu vois. Parce qu'il y a une usine à slime, une usine à bois là-bas, j'ai un spawner à squelette, une usine à fer derrière. Aussi. Tous mes PNJ, voilà, mes esclaves. Mes esclaves. Après ça dépend, tu veux faire un truc super grand? Non, moins grand que ça. Parce que si ça se trouve, sur la map, t'as peut-être un autre endroit dans le désert pour te poser. Ouais, ou sinon, je laisse ça et je vais me mettre un peu plus loin, tu vois, ou je sais pas encore. Ouais, voilà, parce qu'après, ton chemin dans le désert, tu peux le rallonger pour aller justement à l'autre endroit du désert que tu veux, quoi. Ouais, enfin, tu verras. À voir. Enfin, voilà. Alors, attends, on va voir si j'ai toujours mieux. Ah oui, ta cachette. Allez où, là, qu'on aille voir? Ouais. Il va changer. Il a la curiosité à tout le monde. Là. C'est tout le monde là comme les mouettes. À moi. Salle secrète dessous les coffres. Il y a de l'eau. Je t'ai vu tomber, quoi. Mais c'est un dé à coudre en bas. Hein. Oh, j'ai raté. Ils sont toujours là. Là, le gobelin, il fait ça. Le mec, quoi. Il a gardé son butin, le salaud, quoi. c'est que des touchés de soi, je crois. C'était où? Ah, c'était pas en bas? Non, c'était pas tout en bas. C'était pour vous feinter, ça. Oh putain. Putain, j'avoue, t'en as la base. Allez, t'en as la masse. Sors. Non, mais je fais rien. De toute façon, on a tous quasiment un villageois aussi. Bah bien joué. Ah moi je venais ici acheter les touchés de soie à tes villageois. Ouais, oh ouais, bah, putain les bons enculés. Ah les non. Oh putain, 6 coeurs. Ouh. Oh merde. Ça pique. C'est fermé. Non, peut-être pas fermé. T'avais fait un système de rail ici. Ah je me suis fait un bloc. C'est ma gare. Allez-y, c'est bon, vous pouvez remonter. Non. Oh, ah mais oui, par casse-couille. Oh mais je pensais pas que ça te tuerait. Qu'est-ce que ça soit. C'est qui a un arc qui s'appelle casse-couille? C'est moi. Alors, qu'on soit clair, que ce soit mon intégration, que ce soit l'adieu de Fonzie de Red Angel ou l'intégration de Wix, je meurs tout le temps. T'as pas une échelle? Ah, c'est fait. Cool. Oh putain. Et tiré dessus par un casse-couille. Mon dieu, toi. Trop fort. Bah, je crois que j'ai tout. J'avais mon armure, j'avais des torches, j'avais une épée, une pioche, une hache. Attends, j'ai peut-être pas tout alors. Attends, parce que de toute façon, t'es tombé dans un couloir. Ah, il y en a en haut là. Oh la vache, putain, je pensais pas que je te tuerais. Hein. Bon, il y a Bonders qui est toujours devant moi. Il y a toujours du monde sur le serveur. Donc, Wix est toujours à zéro mort puisqu'il a pu réintégrer le serveur et que du coup, toutes ses données ont été supprimées. Ce qui fait qu'il a recommencé une toute nouvelle partie finalement. Il a juste récupéré pas mal de stuff. Je lui ai redonné, comme je vous avais dit, pas mal de stuff pour qu'il puisse se remettre dans le jeu. Et avant de lire le commentaire de l'épisode 134, j'ai quelques questions de l'oracle. Donc, on va aller lui poser tout de suite. C'est parti. Alors, Oracle, ou œuf de dragon, réponds à ces questions. Avais-tu prévu la mort de Ombrist aujourd'hui?
qui était magistral. Oui, il l'avait prévu. Tu vois, ombriste, comme quoi. Hop là. Du coup, question 25. ML2G est-il un génie de Mega Bowser? Attention. Non, je ne suis pas un génie. Je pense que j'aurais été un génie. Je ne ferais peut-être pas de vidéo sur Internet. Peut-être que j'essaierai d'avoir le prix Nobel. Je ne sais pas. Bref, prochaine question. Dark Boop est-elle vraiment un Yoshi? Ouh, de Natoo. Non, et heureusement pour moi, parce que je ne suis pas zoophile. question 26. ML2G est-il un tricheur? Ouh, dis pas de conneries, toi. Ah, je suis pas un tricheur, c'est faux. Ne le croyez pas, il ment. C'est un mensonge. Ah, c'est un jeu de hasard, il faut le souligner quand même. Je ne triche jamais. ML2G, ah non, aimes-tu la barbe de ML2G? Alexandre Hübner. Oui. Il dit pas que des conneries quand même. Enfin voilà. C'était tout pour l'oracle. Maintenant, nous allons lire le commentaire, tout en sachant que j'ai rajouté deux défis dans la salle des défis. Mais pour cette vidéo bonus, on continuera peut-être le défi qu'on m'avait donné. Faut que je me mette à FK à la ferme à or. Et sinon, on fera autre chose. À voir en fonction de ce que je peux faire. Mais quoi qu'il en soit, pour dimanche prochain, on prendra quand même un autre défi. Et on essaiera de terminer l'autre avant aussi. Donc, c'est parti pour le commentaire. Ok, j'espère que tu as gardé le ticket de caisse car ton cadeau pue la merde. Donc j'en réclame un autre. GG pour ton ami. UG Blade 80. Alors j'avais fait un cadeau à UG Blade pour Noël. Apparemment il a pas aimé. Et il me réclame un autre cadeau. Du coup, écoutez les amis, je vais vous laisser le soin de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez que j'offre à UG Blade. Une prank? Un beau cadeau, donc du diamant, des étoiles du Nether, je ne sais pas, ou autre chose. À vous de me le dire, je vous fais confiance, puisqu'apparemment mon cadeau ne lui plaît pas. Hein. Ça a bien été le seul à se plaindre. Et pourtant, avec Drasil, je lui ai offert que du bois et des feuilles. Hein. Et il était content, parce que forcément, c'est pas le cadeau qui compte, c'est le geste qui compte. Voilà, bref. Du coup, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. J'espère que l'intégration de Wixivix aura changé par rapport à d'habitude. En tout cas, on s'est bien marré avec la mort de Ombrist. Et on a fait quelques trucs avant. Donc du coup, ça change les intégrations intégrales des vidéos. Et je pense que pour les prochaines intégrations des prochains membres, comme je vous l'avais dit, il y en aura sûrement d'autres. Je ne tournerai pas tout un épisode. Enfin, je ne ferai pas un épisode entièrement sur leur intégration. Je ferai autre chose avec. Bref, du coup, je vous laisse et à très bientôt. Bye.